Bonjour, 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 bonjour. Alors, vous êtes bien sur la chaîne du Coq Garni, mais là, je vais faire un petit peu de pub. Je vais vous passer une petite vidéo de la petite sœur, la chaîne Petite Sœur du Coq Garni, et vous allez voir que le principe, c'est plutôt sympa. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et c'était pour faire un petit coup de pub. En vous remerciant. Bonjour, bonjour, et bienvenue sur la chaîne C'est dans la poche. Une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite vidéo sur ce que j'ai dans la poche en permanence, bien sûr, puisque c'est le but de la chaîne, je vous le rappelle. Donc, mais, comme vous pouvez le voir. Mais d'abord, générique. Un couteau mini qui tient la poche, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le lumière. D'accord. Bah, 55 lumens dans la poche, les gars. Ce qu'on peut trouver dans une poche, et en l'occurrence la mienne, mais une autonomie énorme. Ah, le gentil fait pour Victorinox, bon. Du pouce vers le haut, ça fait plaisir. Bientôt, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Alors, comme on peut le voir, nous sommes en présence d'un produit que j'ai dans la poche en permanence, c'est-à-dire ma cigarette électronique. Le modèle Vaporeso Luxe XR Max. Pourquoi le XR Max? Parce que au niveau du tank, on peut changer la résistance, alors que sur le XR Max, enfin celui qui n'est pas XR Max, hein, on peut le Vaporesso, on ne peut pas changer le tank. Les résistances sont soudées à l'intérieur et ça vous oblige à changer la capsule complète. Alors que sur le Vaporesso Luxe XR Max, le pod, on peut changer juste la résistance. En l'occurrence, des résistances GTX qui vont très très bien pour moi. C'est des 0,3 ohms, il me semble. Oui, 0,3 ohms. Donc, je vous rappelle juste que pour ceux qui sont un petit peu en découverte de ces cigarettes électroniques, la tête est en ohms, la batterie dégage des volts et ce qui transforme en watts, hein, volts plus ohms égale chauffe. C'est pas une combustion, c'est de la chauffe, donc ce sont des watts. Et vous pilotez avec cette machine la force de wattage, pardon. Bon, très simple, hein? Franchement très simple d'utilisation. Je l'ai fait tomber plusieurs fois, donc c'est un retour que je vous fais sur plusieurs mois d'utilisation, hein? C'est pas, je viens pas de la recevoir, hein? Elle est tombée, j'ai pété le petit bouton là qui servait à augmenter ou pas la prise de vent là. Ça n'empêche pas de fonctionner parfaitement parce que moi, de toute façon, j'ouvre à fond, je fais une inhalation directe. Là, je suis sur la cigarette électronique depuis un certain temps, depuis pas mal d'années d'ailleurs. C'est inhalation directe pour moi. On est sur un produit super joli qui tient bien en main, discret, qui est pas imposant dans la poche. Je veux dire, ça au fond d'une poche, il n'y a pas de problème quoi. C'est voilà, ça se recharge, donc c'est fourni avec le câble dans la boîte. Hyper simple d'utilisation, vous avez ici un écran tactile, vous appuyez une, deux, trois fois, vous avez accès au wattage, vous pouvez tactilement augmenter ou descendre le wattage, je sais pas si on voit bien. Après vous avez la possibilité, vous avez un accès au menu, donc l'accès au menu, donc c'est 1, 2, 3, 4. Vous avez accès au menu ici. Vous pilotez le Smart. Le Smart, c'est lui qui va décider en fait le logiciel qui est à l'intérieur. C'est lui qui décide le watt à envoyer en fonction de la tête qui est enregistrée. Vous avez ici la possibilité d'éteindre ou pas les lumières. Vous avez donc là, c'est la sortie. Ici, vous avez le nombre de puffs que vous avez pris. Là, vous avez donc, on retourne au Smart, les LED, et voilà. Et c'est tout. Donc, je vais sortir. Pour l'allumer, pour l'éteindre, 5 fois, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, ça s'allume. 1, 2, 3, 4, 5, ça s'éteint. Franchement, un super produit que je conseille et vraiment, vraiment que je conseille énormément. Ça, c'est. Voilà. Moi, j'avais pris des pods en plus. Enfin, des pods. Ils appellent ça, ils appellent ça, ils appellent ça, ils appellent ça. Bon, oui, c'est ça, c'est des pods en plus, hein. Luxe XR Pod, ouais, c'est ça. Donc, c'est un produit qui est vraiment pas cher. On peut la trouver sur Amazon en ce moment autour de 40 €. Hein, elle est livrée dans sa petite boîte avec deux résistances en plus. Une autonomie, oui, l'autonomie, elle est pas mal du tout. Moi, je suis un vapeur assez, assez costaud. On va dire que l'autonomie, je la mets en charge
le matin. Je la laisse pas toute la nuit chargée. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Hein. Il faut vraiment pas faire cette erreur-là. Ne laissez pas vos cigarettes électroniques chargées toute la nuit. Vous allez bousiller les batteries. Vous la mettez en charge et puis dès qu'elle est pleine, vous la débranchez. Hein. Donc une fois qu'elle est pleine, bon, je peux tenir facile 2 jours. Ouais, je peux tenir 2 jours en vapotant bien dessus, sachant que bon, là c'est du fruité qu'il y a dessus. Je l'utilise dans la journée et le matin quand je vape le café et après manger, c'est sur la Vopo que j'ai, qui est très très bien aussi. D'ailleurs, je pourrais faire une revue sur celle-là si vous le souhaitez. Il suffit de... Je vais vous laisser accès aux commentaires. Vous mettrez un commentaire si ça vous intéresse. La Vopo, celle-là, je l'utilise parce qu'elle a un goût gourmand. En fait, c'est du caramel qu'il y a dedans. Je l'utilise pour après le café, pendant le café, après manger. Voilà. Bon, celle-là, la fruitée, je l'utilise beaucoup plus que la Vopo. Fruitée, parce que ce sont des liquides. Tiens, je fais un petit clin d'œil à Vape France. Vapefrance.fr. Donc ici... on a du caramel, on a ici du fresh berry, et puis on a de l'ananas tropical. Ça vient de chez eux, ils sont très très bien, très sérieux. Allez-y, n'hésitez pas à aller sur ce site-là. Ils vous proposent 3 contenances concernant le liquide. En fait, ils vous proposent une base qui est avec les arômes dedans. Après, vous y rajoutez des boosters, et puis ça vous fait le taux de nicotine que vous avez besoin dans une petite bouteille de 100 ml, comme ça, on va dire que c'est... Économiquement, c'est plutôt intéressant, et puis en plus ils ont pas mal de choix, c'est voilà, très sympa. Et puis d'ailleurs il y a une chaîne Vape France qui est créée. Vous pouvez aller voir la vendeuse, celle qui vous prépare les colis sur son site. Vous pouvez aller voir la vendeuse qui vous fait des démonstrations de produits, qui vous donne des conseils, etc. Donc je vous conseille fortement ce site-là, il est vraiment très bien. Elle a l'air très sérieuse, et puis moi j'ai jamais eu de soucis. Quand j'ai commandé, j'ai toujours été livré en temps et en heure. Voilà, pas de mauvaise surprise. Donc voilà, c'était l'objet de cette vidéo, c'était pour vous dire que dans ma poche, eh ben, j'ai toujours ça, hein, accompagné de mes petits ustensiles, mais j'ai toujours avec moi cette cigarette électronique. D'ailleurs, j'envisage d'en acheter une autre parce que franchement, elle est vraiment très très bien. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. Et puis abonnez-vous si vous êtes de passage, abonnez-vous, c'est gratuit. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.